Désormais, Johan a retrouvé une nouvelle bande de copains avec qui jouer. En but ou en défendant? En défendant. Ah ouais, Samir. T'as raison là. Je suis dans l'intérieur. Tu le refermes. Ouais, d'accord. J'espère qu'il va continuer avec nous, avec le Vérité Club de France, parce que nous, on voit rien chez Johan, si ce n'est qu'un pote qui est dans les vestiaires parmi nous, qui joue au foot avec nous. Voilà, et j'espère que ça va continuer ainsi. Plus qu'un jubilé, ce match s'inscrit pour lutter contre l'homophobie. D'après les statistiques nationales, environ 7% des hommes sont homosexuels. Une autre étude réalisée en Aquitaine auprès de 922 sportifs, hommes et femmes confondus, montre que 50% des hommes ont une attitude homophobe. De toute façon, en faisant venir Johan aux variétés, je savais que de toute façon, il n'aurait pas de problème parce que je connais bien les types de variétés, je les côtoie depuis certains d'entre eux depuis 40 ans, d'autres depuis 20 ans, 25 ans, 10 ans, et je connais leur état d'esprit. Et je sais que ce sont des types tolérants et qui ont essayé de comprendre la situation dans laquelle se trouvait Johan.